Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la création d'un fichier taille d'enclos. Et oui, quelque chose que nous connaissons bien, nous modélistes, mais il faut avant toute chose que je vous dise que je suis sur Clos, dernière version 2004, 2024 exactement, et donc comment créer un fichier taille sur Clos 3D. Alors, c'est assez simple. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste bien écouter. Bien, nous voilà sur notre buste et nous allons maintenant commencer à faire notre fichier de gradation. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans notre navigateur d'objets et là, cliquez sur le petit onglet où il y a marqué « Gradation ». Voilà. Là, vous voyez, j'ai un groupe de taille qui existe déjà et là je vais me faire un plaisir concrètement de le sélectionner et de le supprimer. Voilà, donc tout ça pour vous montrer à partir de zéro. Alors comment justement créer ce fichier taille? Alors je vous ferai remarquer que nous avons ici un onglet taille et ici nous avons un onglet appairé, d'accord, tout simplement l'avatar. D'accord, voilà. Deux boutons mettre à jour et supprimer. Là, j'ai rien à supprimer, j'ai rien à mettre à jour et je n'ai pas encore de fichier taille. Alors, justement, comment créer ce fichier taille? Donc là, j'ai un bouton qui s'appelle ajouter, je clique et là, j'ai un groupe de taille qui existe maintenant. Je vais le nommer, hein, on va le nommer basique, voilà, et puis juste en dessous, je vais nommer ma première taille, 36, voilà, et maintenant comment ajouter en fait des tailles, et bien ici, vous voyez, j'ai un tout petit plus, ajouter la taille, j'ajoute, et après, bien évidemment, je vais taper ma taille, autre, et ainsi de suite. D'accord? Alors, l'ordinateur, lui, il ne sait pas que je travaille de deux en deux. Donc, forcément, il va vous créer des tailles avec un d'unité. D'accord? Donc là, 36, 38. Lui, après le 38, il arrive le 39. Donc, il ne sait pas si je fais de la chaussure ou si je fais du vêtement. D'accord? Donc, la gradation de chaussures, on trouve effectivement le 39. Donc, à vous de taper concrètement ce que... Qu'est-ce qui correspond? D'accord? Voilà. Donc là, je vais aller... excusez-moi, je fais un nouveau groupe. Je clique. Voilà. Là, je tape 42. Voilà. Et je vais taper... Hop. 44. Et aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au 46. Voilà. Donc... 36, 38, 40, 42, 44, 46. Alors, là, maintenant, je vais attirer votre attention sur le fait que là, il me dit que mon buste est en taille 36, alors que je sais que je l'ai construit avec des mesures de taille 38. Et d'ailleurs, mon mannequin est en taille 38. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner tout mon patronage. Alors, vous pouvez prendre l'outil « Transformer patron ». Et là, vous sélectionnez toutes les pièces qui constituent votre patronage. Et donc, vous revenez dans la case gradation. Et là, vous lui dites que votre taille de base, ce n'est pas le 36, mais c'est le 38. Tout simplement, donc là, il suffit de cliquer sur le 38 pour que ça fonctionne. Mais il y a une petite astuce. Il faut impérativement attribuer votre grille de taille basique à la totalité de vos patronages. Pour ce faire, vous allez aller dans tout simplement assigner à un patron, sélectionner, j'assigne. Voilà. Maintenant, je peux dire que ma taille de base, c'est le 38. Voilà. D'accord? Donc vous remarquerez que à chaque fois que je vais changer de taille de base, la couleur de mes points vont changer de la même manière. D'accord? Alors, pour qu'on puisse s'y retrouver dans les tailles, il y a des petites cases de couleurs là, d'accord?
eh bien le 36 je le laisse toujours en vert moi. Ma taille de base par contre je la mets toujours en couleur rouge. Ok, voilà. Ma taille 40 en couleur bleue. Ma taille 42, on va la mettre dans une couleur fuchsia. Voilà. Ma couleur 44, je vais la mettre dans une couleur vert, mais un vert plus foncé. Et là, je vais mettre un jaune, un vrai jaune. Voilà. Hop. Donc maintenant, j'ai bien mes grilles de taille avec chaque couleur. Alors, les pastilles de couleur, ça permet de vérifier et de visualiser de suite, en fait, votre taille. D'accord ? Et donc, on verra après, bien évidemment, que ça va nous servir dans le dossier technique, car ça nous permettra de reconnaître, rien que par la couleur, les numéros de taille, tout simplement. Donc maintenant, on va aller chercher l'outil de gradation qui va nous permettre de poser nos valeurs d'évolution. Alors, pour ce faire, déjà, je me mets en plus grosse loupe, d'accord ? Et je me mets en 2D, comme ça, vous verrez encore mieux. Voilà. Alors, où se trouve l'outil ? Eh bien, il est caché ici. Là, vous allez avoir modifier patron, modifier gradation, modifier la gradation de couche, modifier la gradation chaque, comprenez chaque point ou chaque ligne, modifier la gradation de courbe, chaque point de courbe sur chaque taille. Ok ? Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai en point rouge, tous mes petits points rouges, ce sont des points courbes. D'accord ? Donc à moi, bien évidemment, de prendre d'abord le bon outil qui va être grader, modifier la gradation. Voilà. Et là, je démarre concrètement par mon encolure d'eau. Donc je clique mon premier point, comme ceci. D'accord ? Et là, regardez, j'ai deux onglets qui s'ouvre. Distance, où là je vais taper la mesure d'évolution taille par taille, d'accord ? Et bien sûr en multipliant cette taille pour obtenir l'évolution correcte. Et juste en dessous, nous avons offset. Offset, c'est pour moi la possibilité de créer en fait une gradation rapidement en ne tapant qu'une seule fois la mesure, en plus ou en moins. Et donc, n'oubliez pas, hein, vous, quand vous êtes sur la gradation et sur un point, c'est vous qui faites la croix devant l'écran. Vous pensez au positif sur les axes des Y et vous marchez au négatif. D'accord ? Tout ce qui se trouve à gauche sur les axes des X, c'est du négatif. Et tout ce qui se trouve à droite sur les axes du, toujours l'horizontal, les X, ça sera du positif. Donc là, je pense au négatif, je marche, je pense au positif, excusez-moi, j'ai fait une connerie, je pense en positif, je marche en négatif, tout ce qui est à gauche est négatif, tout ce qui est à droite est en positif. Ok ? Voilà, donc pensée positive de suite. Donc là, je sélectionne mon point de base, encolure, milieu d'eau. Donc, pour vous montrer comment marche tout simplement distance, nous allons taper une première valeur en Y. D'accord ? Et là, nous allons taper 5. D'accord ? Donc là, vous voyez que j'ai en fait une petite taille qui sort. C'est pas normal. Elle devrait rentrer à l'intérieur. Donc là, c'est pas 5 en positif, mais un moins 5 que je dois rentrer, car ma petite taille qui est verte, d'accord, c'est une petite taille, elle est en dessous du 38. Ma taille rouge, c'est ma taille de base, d'accord, ok, donc elle est grisée dans ma distance. Maintenant, je passe à ma taille 40, qui est la taille immédiate derrière, et là, c'est du positif, donc je sors, et donc là, je tape 5, ok, voilà. Et ainsi, de suite, je vais taper 42, donc entre 38, 40, 42, ça me fait 38, 40, 42, multiplié par 2. Donc 5 multiplié par 2, ça me fait 10.
et ainsi de suite. 44 multiplié par taille de base 38, 40, 42, ok, 43. Là, ça fait multiplier par 3 et donc, du coup, 3 fois 5, tout simplement 15. Et je fais ma dernière taille, 46, 4 fois 5. Donc là, ça va me faire 20. Et voilà, d'accord? Vous voyez que là, j'ai bien sur ma gradation et sur mon point 5 mm, 5 mm, 5 mm d'évolution taille par taille, d'accord? Et j'ai bien dans ma distance, ma valeur d'évolution qui a été multipliée, ok, de telle manière à pouvoir sortir 1 moins 5 taille d'en dessous, au pied je marche négatif, 40 taille de dessus, je pense au positif, et donc là je vais mettre 5 et 5 qui sont les deux valeurs qui sont autour de ma taille de base. Et puis après je multiplie, je multiplie, je multiplie, d'accord? Maintenant voyons ce que ça donne sur une valeur qui est double, qui est en fait le point d'intersection de ma pointe en colure et de ma pente épaule. Donc là, je suis sur ma pointe en colure dos. Ok ? Et donc là, je dois donner en Y la même valeur, c'est-à-dire mes 5 d'évolution. Donc là, je vais maintenant aller en offset. Offset, puisque c'est une double gradation, je vais travailler à la fois en X et en Y. Alors, je suis dans la ligne All, ici, d'accord? Et là, je vais taper mon moins 5. Hop, vous voyez que là, du coup, je ne suis plus en négatif, mais je dois réagir en positif. Donc là, ce n'est pas moins 5, mais 5. Voilà. Hop, je suis identique là. Et là, sur les Y. Maintenant, on ouvre notre encolure. Le tour d'encolure bouge de 1 cm par taille. Je suis sur une valeur de gradation sur un tour, mais je travaille sur un demi-corps. Donc, du coup, je dois penser que mon corps, d'accord, est divisé en 1, 2 et 3 morceaux. D'accord? Donc, on va dire 4 morceaux. Ok? Donc mon cercle, qui est mon cou dans l'absolu, okay, va avoir une division en 4 morceaux. Donc le 1 cm de tour d'encolure va être divisé par 4. Ce qui va nous faire une évolution en tour de cou, d'accord ? 10 divisé par 4, si je suis mon raisonnement, ok ? Je vais avoir, alors on sort la petite calculette, hein, on n'a pas honte, moi je ne suis pas un foudre de guerre en calcul mental, donc je sais que j'en ai autour de moi qui sont pareils, d'accord ? Donc le tour d'encolure, le tour de cou, donc, alors attendez, je cherche dans mon barème pour ne pas vous induire d'erreur, donc mon tour de longueur d'épaule, demi-tour d'encolure, ça fait 18. Donc un tour, ça fait concrètement 8 et 8, 16, ça fait 36. D'accord ? Donc si je regarde bien, 36 divisé par 4, puisque j'ai 4, ça fait 9. 9 redivisé, d'accord ? 9 redivisé entre mon dos et mon devant. Ok ? Donc, j'ai bien dit 36 divisé par 4, ça fait bien ma valeur. Donc attendez, je vérifie si je suis bonne. Demi-tour d'encolure, 18, donc on va faire 18, c'est bon, divisé par 4,
ça fait bien 9. C'est OK, d'accord? Donc 9 entre, que je dois répartir entre mon dos et mon devant. D'accord? Voilà. Donc j'étais sur ce dos-là. Je reviens dans l'outil gradation. Je viens sur mon écartement d'encolure. D'accord? Et là, je vais porter l'écartement de mon encolure. D'accord? Attention, nous sommes sur une base qui est de construction esmodienne. D'accord? Donc là, eux, ils vont mettre 2 d'évolution. Ok? Moi, je pense construction, je pense évolution. Et là, je vais vous dire que j'aimerais que mon encolure s'écarte, en fait, de... Donc 9, 18, c'est la demi-encolure, divisé par 2, ça va me faire 9. 9 redivisé encore par 2, ça me fait 4,5. 4,5 divisé par 2 dos, ok, ça fait, on va arrondir, d'accord, 4,5. On va arrondir à, excusez-moi, je suis vraiment nulle en calcul mental, comme vous pouvez le voir. Donc 4,5 divisé par 2, hop, ça fait 2,25. Hop là. Comme s'il avait compris ce que j'allais lui mettre ici. Donc là, hop, donc en X et dans All, je viens poser mes 2,25. D'accord? Et là, hop, ok? Voilà, donc là j'ai mon encolure qui s'ouvre, d'accord, et je peux visualiser concrètement, d'accord, ce que cela donne sur toutes mes tailles, y compris ma petite taille. Alors là, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc j'ai bien une évolution en hauteur de 5 et un écart d'encolure de 2,3, d'accord, 2,3. Et là, vous avez remarqué, j'ai tapé 0,25, d'accord, 2,25, et lui, il arrondit automatiquement, d'accord. Donc là, j'ai une valeur qui est arrondie, mais qui fonctionne, par un dixième de millimètre près, d'accord. Donc là, je copie ma valeur, copier, et là, je vais poser sur ma pince omoplate, je clique, et là, je colle, et mais je colle pas n'importe comment. Je colle à partir d'un axe Y. Hop. Je fais pareil ici. Hop, coller Y. D'accord? Est-ce que je peux faire plusieurs points à la fois? Bonne question. Donc, vous sélectionnez ce point, vous sélectionnez ce point, puis ce point, puisque l'épaule s'élève en parallèle. Et donc là, hop, coller en Y. Et voilà. D'accord? Là, mon épaule s'est élevée en parallèle. D'accord? Maintenant, je vais vérifier concrètement ma longueur d'épaule. Ici. D'accord? Mon épaule évolue de 4 mm par taille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Quand on fait de la gradation, on travaille toujours en millimètres. D'accord? Donc là, c'est du millimètre. Donc je continue ma gradation, d'accord. Donc là, je fais ma pointe épaule, hein, je n'ai pas fini. Donc je vous ai dit tout à l'heure que mon épaule évoluait de 4 mm par taille. Donc maintenant, je vais donner, toujours en offset, et dans la case All, en X, je donne ma valeur d'évolution. Alors là, je fais 4, tout simplement, d'accord. Voilà. Et donc, ma pince, qui doit toujours rester au milieu de son épaule d'eau, doit elle aussi évoluer et garder sa proportionnelle. Donc là, ici, d'accord, et là, d'accord. Et bien sûr, au bout, vous allez faire évoluer votre pince en X, d'accord. Mais cette fois-ci, de la moitié de la valeur, puisque votre pince est construite au milieu de votre épaule. Donc là, vous faites 2, tout simplement. Et voilà, d'accord.
votre pince restera graduée, ok, de cette valeur. Alors, il y a un problème là, c'est qu'il m'a fait évoluer aussi en hauteur ma pince. Alors, elle peut prendre de la longueur cette pince, d'accord, c'est normal, parce que plus on grimpe dans les tailles, plus ça va être long au niveau de la longueur de pince. Donc là, concrètement, les Y, on peut les laisser à 0. D'accord? Voilà. Il n'y a que les X qui vont bouger. Donc ma pince va donner en longueur, mais pas en hauteur. Ok? Voilà. Donc, ma gradation va se déplacer au niveau de ma pince. Maintenant, venons à ma couture de côté. Alors, ma couture de côté, c'est d'une simplicité enfantine. Et là, on va graduer les lignes pour garder la courbe dans le dessin. Donc, je sélectionne ma couture de côté. Vous voyez ? Voilà. Et là, je viens poser en X mon évolution. Je suis en positif, donc 10, puisque mon tour de poitrine évolue de 4 cm par taille. Donc là, ça me fait 40 mm multiplié par 4 morceaux, ce qui va me faire une évolution au côté de 10. Donc là, je me pose 10 et voilà, d'accord ? J'ai mon évolution de couture de côté qui est faite. Maintenant, passons à mon point carrure. Mon point carrure, lui, il évolue. Alors, ma carrure évolue. Alors, attendez 2 secondes. C'est une demi-carrure d'eau et elle va évoluer de que je vous dise pas de bêtises, je vais reprendre mon barème. Alors, ma carrure d'eau, toc toc toc, évolution 4 cm, ça c'est le demi-tour de poitrine. Alors, je suis tac 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 de 2,5 multiplié bien sûr par le nombre de tailles, d'accord. Donc là, si je fais ma carrure d'eau, ok, je clique et je fais toujours en positif 2,5, d'accord. Et là, vous voyez que ça me fait une emmanchure hyper creuse, d'accord. Et moi là, en fait, je la calcule comme ça. J'ai fait une épaule qui a évolué de 4 mm par taille. J'ai évolué de 10 mm sur, tout simplement, ma couture de côté. 4 plus 10 égale 14. 14 valeurs que je peux mettre sur mon point ici, qui est, lui, sur ma carrure et que je peux diviser par 2. 14 divisé par 2, ça me fait une évolution de 7. Et donc là, je pose mon 7, d'accord. Et voilà. Et là, j'ai une emmanchure sur ma grande taille qui évolue de manière proportionnelle. Pourquoi proportionnelle et comment j'ai trouvé cette valeur? Et bien, tout simplement en allant chercher la longueur de mon épaule, 4 mm, l'évolution de ma couture de côté, 10 mm, mes 4 de longueur d'épaule plus mes 10 de largeur de buste d'eau vont me faire 14 mm, 14 mm que je divise par 2. Pourquoi? Parce que ma hauteur carus se trouve à la moitié de ma valeur emmanchure globale, d'accord. Et donc, je donne cette valeur-là, ici. C'est beaucoup plus simple de calculer comme ça que d'essayer de faire les 2,5 multipliés par la taille plus et plus quelque chose. D'accord ? Non, on additionne les chiffres et on trouve la solution de manière beaucoup plus simple. Pour ce qui est des pinces, d'accord ? Ma grande pince, elle, est construite au milieu de mon buste. D'accord ? Au milieu de ma taille. Plaque. Donc là, j'ai donné 10 mm. Donc, sur ma pince ici, je vais donner une évolution puisqu'elle est construite au milieu de ma largeur taille. Je vais donner ici une valeur de 5. Voilà, d'accord. Donc là, ma pince évolue de la moitié de ma valeur de taille. D'accord. Voilà. Maintenant, ma petite pince, elle évolue de combien? Eh bien, ma petite pince,
Elle est construite au milieu entre ma pince de cintrage et ma couture de côté. Donc là, 5 et ici, 10. Combien vais-je mettre sur ma petite pince? Alors, je ne vous cache pas que j'ai tourné en rond pendant des heures pour essayer de trouver une explication, mais concrètement, sachez que là, j'ai pris sur mes 10 mm de couture de côté, d'accord? J'ai pris déjà 5 mm, ok? Donc là, j'ai bien une valeur ici, ok? J'ai bien pris sur mes 10 mm, j'ai pris 5 pour bouger ma pince parce qu'elle était positionnée au milieu de ma taille. Maintenant, celle-ci, il me reste combien pour la faire bouger? Parce que le total doit faire, hop, 10, d'accord? Donc, la logique me dit que je peux, sur celle-ci aussi, poser 5 mm. D'accord? Comme ça, j'ai mes pinces qui restent positionnées sur mon cadre de manière proportionnée et qui vont évoluer puisque 5 et 5 égale 10, valeur cumulative que j'ai à ma couture de côté. Ok? Voilà. J'ai gradué mon dos. Passons maintenant à notre devant. Alors, le devant, ça va être assez simple puisque je vais faire du copier-coller. Je viens copier ma hauteur milieu dos que je reporte sur ma hauteur milieu devant en Y. Voilà, d'accord? Jusque-là, rien de très compliqué. Je positionne mon écartement d'encolure, je copie et là, je viens poser, hop, coller. Et attention, là, c'est pas en X et en Y. D'accord? C'est pas X tout seul et Y tout seul, c'est en X et Y. Voilà, d'accord? Donc là, j'ai mon encolure qui fonctionne correctement sur mon devant. Par contre, ici, vous voyez, j'ai un petit souci, puisque là, j'ai quelque chose qui fonctionne mal. Pourquoi? À cause de mes points courts. Donc, je vais aller chercher un outil qui va me permettre de modifier la gradation de courbe. D'accord? Et là, j'ai la possibilité de sélectionner mes points courts et de poser des valeurs de gradation que j'aurai éventuellement copiées et collées. D'accord? Hop! Voilà, et là, pareil, coller, hop, et voilà. D'accord? Donc j'ai gradué en plus des points courts. D'accord? Alors à vous, après, de voir éventuellement si ces deux points courbes, doivent recevoir la même chose des deux côtés. D'accord? Sur les deux points. Là, ils sont assez proches. Donc oui, je peux. Mais là, logiquement, et je serai sur un autre logiciel, je devrais calculer ce qu'on appelle une moyenne. D'accord? Voilà. 5 ici, 5 ici, multiplié par 2 points, 5 mm divisé par 2, ça va me faire une évolution qui peut être éventuellement, d'accord, divisé par 2, qui va être de 2,5 par point. D'accord? Donc on va regarder ce point-là. Ici, j'avais mis 5. Ok? Là, je vais faire 2,5 pour visualiser le creuset de mon encolure. Et là, faire pareil. Hop. 2,5. Hop. Et vous regardez ce que ça donne. N'hésitez pas à éventuellement faire la moyenne entre le 5 et le 2,5, donc là, j'ai une valeur qui va se calculer comme ça. Ici, j'ai mis 5, là, j'ai mis 2,5, donc 5 plus mes 2,5, ça va me faire 7,5. 7,5, je divise par 2, on regarde, ça me fait 3,75. En fait, là, la vraie mesure, l'idéal, ça serait 3,75. Il va m'arrondir la chose. Et voilà.
voyez. Et donc, concrètement, il m'a mis 3-8, ok. Et à la limite, 3-8, c'est une chose que j'aurais pu mettre à 4. Donc, en fait, concrètement, la gradation, c'est aussi le savoir adapter pour que le dessin de ligne reste harmonieux et joli, pour pas que mes encolures se déforment quand j'arrive dans les grandes tailles. Et donc là, je garde le dessin d'une encolure taille par taille de manière harmonieuse. Donc ici, j'ai bien mis 5, puis là, j'avais un seul point ici à mettre à 4, et là, j'ai resubdivisé, j'ai mis 2,5 pour ici retrouver mon point d'évolution. D'accord ? Avec mon évolution de 2,3. D'accord ? Ici, j'ai 2,5. Là, hop, 2,3. Je peux éventuellement ici revenir sur 2,5. Voilà. Ok ? Et là, je trouve quelque chose qui est harmonieux, joliment redessiné, qui respecte la courbe. Ok ? Voilà. Il faut que vous ayez à l'esprit que la gradation, c'est aussi le respect de la forme du patronage initial. Il ne faut pas le déformer. D'accord ? Donc là, je copie. Copier. Et là, je sélectionne. Alors attendez, j'ai une ligne interne qui va me gêner là. Donc je l'enlève parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Je reprends mon outil modifier à gradation. Je copie mon point ici. Je sélectionne mon point là. Mon point là. Mon point là. Et là, je fais coller en Y. Voilà. Mon épaule est graduée de la même manière que ma pointe épaule. Mon évolution en bout d'épaule est de 4, donc j'évolue de 4. D'accord ? Voilà. Maintenant, je sélectionne ma couture de côté. Hop, hop. Je fais mon évolution en X de 10 mm, puisque mon tour de poitrine évolue de 4 cm par taille, donc ça me fait 10 mm évolué. Voilà, ma carrure d'eau, ma carrure devant, autant pour moi, ma carrure devant, là, je la fais évoluer de 6 mm. Alors vous allez me dire, pourquoi je mets 6, d'accord, alors que dans le dos, j'ai mis 7. Eh bien parce que j'ai une carrure devant toujours plus petite, d'au moins 1 cm sur le devant par rapport au dos. Donc là, comme je parle en millimètres, ça sera une évolution qui sera différente sur mon dos d'un millimètre par rapport à ce que j'ai sur mon dos par rapport à mon devant. D'accord ? Donc j'ai un centimètre de carrure de différence entre ma carrure dos et ma carrure devant. Donc ma gradation est de 7 à ma carrure dos et ma gradation sur mon devant va être de 1 mm de moins. Donc là, je fais 6. Et voilà. D'accord ? J'ai mon évolution et là, j'ai une petite bosse. Alors, c'est pas très grave. Ça vient en fait de mon dessin d'embouchure d'origine. Donc, à vous de pouvoir éventuellement lisser votre ligne. D'accord ? Pour éviter les bosses. Concrètement, voilà. Comme ceci, et quand vous revenez, et c'est ça qui est chouette, c'est que quand je reviens sur ma gradation, normalement ça aurait dû tenir, mais pourquoi ça tient pas? Parce que j'ai pris lisser la couture, et que lisser la couture, c'est une ligne vectorielle, et que la gradation sur une ligne vectorielle ne tient pas. Donc, si vous devez rectifier une emmanchure, et que vous voulez le faire par lisser la courbe, d'accord, eh bien, je vous conseillerais d'ajouter après, dessus, tout simplement, des points, d'accord, des points courbes. Donc vous cliquez un point là, vous cliquez un point là, puis ces points, vous les convertissez en points courbes. Clac, clac,
point courbe. Regardez, hop, point courbe, et là maintenant, je vais dans mon outil, et là, c'est nickel. J'ai une gradation qui s'est faite, d'accord? Donc, concrètement, l'astuce, c'est si je dois rectifier tout simplement une courbe alors que ma gradation est faite, eh ben, ça ne me pose pas de problème. Si je le fais avec lisser courbe, je sais que la gradation ne va pas suivre. Par contre, je sais concrètement que cette gradation, je peux la modifier si, sur cette ligne vectorielle, je rajoute des points que je transforme en points courbes. Comme ça, la lecture se fait correctement sur toutes mes tailles. D'accord ? Que ce soit de la petite à la grande taille. Voilà. Donc, nos problèmes. Vous voyez que tout est pensé, tout est réfléchi. Donc, maintenant, gradation de tout simplement mes pinces. Donc là, et là, et là, et là, je sélectionne. Et donc, je fais évoluer. Alors, normalement, ma pince là, elle joue avec mon point poitrine aussi. Donc, je bouge mon point poitrine, d'accord ? Et donc, comme j'ai fait pour mon dos, ma pince, elle n'est pas construite véritablement pile poil au milieu de ma taille. Et donc, concrètement, ok, je vais faire la chose de la manière suivante. Pour que ça fonctionne bien, je vais ici donner en X, d'abord, 2,5. Je regarde ce que ça fait. Bien sûr, j'ai tapé sur la virgule au lieu de taper sur le point. Voilà. Ok. Je regarde. Hein. Voilà. Ok. 2,5. Ma pince bouge de la même manière que mon point poitrine. D'accord. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire que ici, j'évolue aussi. D'accord. Comme j'ai fait 4 et que ma pince est construite au milieu de mon épaule, ici ça bouge de 2. Et là, pareil, ça va bouger de 2. D'accord ? Voilà. Là, j'ai une pince qui bouge correctement sur mon épaule, sur mon point poitrine, une pince de cintrage qui évolue de la même manière que mon point poitrine. Et donc ici, hop, 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 hop. La logique voudrait que ce point-là bouge aussi d'une valeur qui est plus grande, puisque sur les 10, j'ai pris 2 mm, d'accord ? On va dire 2,5 mm, d'accord ? Donc en fait, il me reste 6,5 mm, et donc là, je fais 6,5, d'accord ? Il ne veut pas me la taper, parce que j'ai encore tapé sur la virgule, au lieu de taper sur le point. Voilà. Et c'est bon. D'accord ? Maintenant, ma pince reste bien au milieu de mon panneau, et tout va bien. Voilà. Ma gradation sur mon buste est faite. Alors maintenant, comment ça se passe sur ma manche ? On va voir ça de suite. Alors, je vais déjà verrouiller mes lignes internes, pour pas que ça, tout ça là, ça me gêne. Le tour de bras évolue de 1 cm par taille. Donc là, j'ai deux coutures de côté. D'accord ? Donc là, si je dis ici 10 divisé par 2, ça me fait 5. Donc là, je suis en moins, moins 5. Ok ? Là, je suis en plus. Toujours sur les X, 5. D'accord ? Donc là, vous pouvez copier, d'accord ? Et puis coller. Mais j'aurais pu le faire comme ça. Regardez. Je peux graduer des lignes. Je sélectionne ma ligne. Je donne mon évolution. Moins 5. Voilà. Et là, pareil. 5. Voilà, d'accord ? Vous voyez que là, c'est plus rapide quand on fait les lignes. Et là, hop, hop, je vais donner ma gradation en X. Non, en Y, oui, là. 5. Alors pourquoi 5 ?
Bah parce que tout simplement ici, j'ai évolué, d'accord, de 5 en hauteur. Ok, voilà. Et donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Carrure, carrure d'eau, carrure de vent, d'accord. Donc là, carrure d'eau, j'ai bougé de combien? De 7. Voilà. Carrure de vent, hop, j'ai bougé de combien? De 6. D'accord, on va y arriver. Hop, bien sûr, c'est moins 6 qu'il fallait mettre, Sophie. Parce que tu es de l'autre côté de la manche. Donc, moins 6, tête de linotte. Voilà. Ici et là. Je vais me remettre à 0. Et je vais taper moins 6. Pour voir, on va y arriver. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Hop là, voilà. Alors attention, là, j'ai une double gradation qui ne devrait pas exister. Donc on revient dessus, on tape 0, voilà, et voilà. Ma manche est faite, vous voyez que ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et donc voilà. Alors si j'avais des longueurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle une gradation en conformation, d'accord ? Parce qu'on peut faire une gradation de taille 38 et avoir des hauteurs de 38 différentes. Donc là, bien évidemment, je donnerais en longueur de vêtements. Et donc ça veut dire que là, je pourrais faire la même chose si c'était de l'enfant, d'accord ? Je donnerais en longueur et en longueur. Ça s'appelle faire une gradation en conformation, c'est-à-dire tout simplement en respectant les hauteurs de chaque corps. Ok, voilà. Alors autrefois on en faisait beaucoup, mais ça faisait faire énormément de stock aux entreprises, d'accord. Et malheureusement, qui dit stock dit avoir les locaux pour stocker et pour pouvoir après mettre à la disposition des gens dans les magasins les tailles demandées. Et donc des fois bah, c'était faisable, des fois ça ne l'était pas, d'accord. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on ne trouve plus de vêtements dans les magasins qui taillent en, en stature. C'est-à-dire que, par exemple, fut une époque chez Marc & Spencer, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, donc je ne sais pas si ça se fait encore, où on pouvait avoir dans une taille 38, trois longueurs de jambes différentes. C'est-à-dire une longueur standard, et puis une longueur longue, et puis une longueur courte. Voilà, et donc on pouvait visualiser effectivement des longueurs sur toutes les tailles différentes, d'accord ? Ce qui voulait faire comprendre que chez Marc & Spencer, on pouvait habiller tous les gabarits, qu'ils soient petits, grands ou moyens, moyens en hauteur, moyens en taille ou gros en taille et petit aussi en hauteur, d'accord ? Clac, 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 clac. Vous voyez, c'est petit en largeur, grand en hauteur, ou petit en largeur, d'accord, et moyen en hauteur. C'est ce qu'on appelait faire de la gradation en stature et conformation. Voilà, stature pour les longueurs et conformation pour tout simplement être aux normes. Et donc aujourd'hui, quelle que soit la maison dans laquelle vous êtes, de prêt-à-porter, qu'elle soit dite de luxe ou pas, de grande distribution, on ne trouve plus de gradation en stature et conformation parce que ça, c'est trop compliqué, il faut avoir des super locaux pour stocker, et au jour d'aujourd'hui, plus personne n'a envie de stocker. Plus personne n'a envie, je parle des fabricants, n'ont envie de se faire des stocks qui n'en finissent plus de dormir et qui auront énormément de mal à partir, même s'il y a des soldes. D'accord ? Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur la gradation et comment on crée un tableau de gradation et comment on gradue un buste avec des manches. Ok ? Qui sont en fait des valeurs de gradation standard sur un produit de base, d'accord ? Et si vous travaillez sur du vêtement, eh bien vous pourrez exactement
utiliser les mêmes valeurs et surtout les mêmes principes. Pensez tout le temps à comment est fait votre vêtement et a été construit votre vêtement pour éviter de le déformer dans ses différentes tailles. Alors, dernière petite chose, et là, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Alors, vous savez que dans Clos, on peut faire notre mannequin à la valeur que l'on veut, d'accord ? Donc là, je vais aller dans Custom, hein, vous connaissez le principe pour ceux qui me suivent, et là, je vais chercher ma taille 38, d'accord ? No problème. Maintenant, si je veux vérifier ma planche de gradation, il faut que j'ai plusieurs avatars, d'accord ? Et dans toutes les tailles de ma planche de gradation, c'est-à-dire que je dois avoir une taille 36, une taille 38, 40, 42, et il me manque la taille 44, d'accord ? Et la taille 46, qui est là une taille de cliente, et ça n'a rien à voir. Donc, il me manque deux tailles, chose que je vais faire maintenant. Donc là, je vais aller chercher mon fichier taille, d'accord ? Ok, et je vais créer, donc, sur ma taille. Alors attendez, je vais allumer un peu la lumière parce que je suis dans le noir. Donc là, je ne vois pas très bien. Hop, et voilà. Là, ça va être mieux. J'y vois plus clair. Voilà. Donc, mon fichier taille. Hop, hop. Là. Donc, circonférence du tour de poitrine. Pour ma taille 46. Mon tour de poitrine, on va faire d'abord le 44. Donc, mon demi-tour de poitrine, 44, on va y arriver. Si je me trompe à chaque fois de ligne, ça ne va pas le faire. 23,5, c'est un demi. Donc là, on va faire, calculette, on va faire 23,5. Ce sont des, d'ailes, voilà. Ok, multiplié bien sûr par 2, ok, égal, ça me fait 47, d'accord. Je suis en centimètres, donc ça tombe bien, hein. Donc 47 pour mon demi-tour de, alors attendez, je fais annuler, ça me paraît étrange 47, donc là, on va y arriver, hop, poitrine, calculateur. Donc, ma poitrine, elle est cachée où là? J'ai encore mis la mauvaise hauteur. Tour, donc allure, demi-tour. Alors, demi-tour, tour. L'emmanchure, tour, grande hanche, demi-carrure, longueur. Encolure, j'ai mis l'encolure comme une andouille. C'est pour ça que je trouvais ça bizarroïde. Alors, tour de poitrine, hein, voilà, tour de poitrine, je l'ai, ok. Donc, sur ma taille 42, 96, 84, 100, ça me paraît bien mieux de taper ça comme ça, voilà. Là, on va faire 100, poitrine, ok. Longueur, tour de taille, tour de taille. Ok, 80. Ici, j'ai normalement, pour ma taille 44, 80. Ok, donc là, c'est bon. Petite hanche. Alors, petite hanche. Nous avons 96. 96, voilà, et là, grande hanche, nous avons 106, voilà, ok, donc là, je peux l'enregistrer, d'accord, hauteur poitrine jusqu'à la terre, non, sous poitrine jusqu'à la terre, non, taille jusqu'à la terre, non, hauteur des hanches, jusqu'à la terre, non. Jusqu'en bas, non plus. Alors, pente d'épaule, ça marche. Sommet, poitrine. Donc là, c'est un écart poitrine.
écart poitrine, je vois l'avoir, l'écart poitrine, c'est 10. Donc là, a priori, 10, c'est une demi, donc c'est 20. Voilà, hop, hop, 20. Voilà, ça paraît plus logique. Donc ça, c'est bon. Donc, hauteur poitrine, normalement, je ne l'ai pas comme ça. Hauteur poitrine, c'est OK, c'est bon. Largeur curvilaire, là, de là à là, c'est curvilaire. Ici, je suis à 39,6. On peut même mettre 40. Ici, voilà. Et là, longueur dos, du coup, jusqu'au poignet. Longueur dos, du coup, jusqu'au poignet, c'est-à-dire là. OK, c'est bon. Le bras, mon bras, c'est viable. D'accord. 56, on pourrait le monter à 58. Allez, 58. Voilà. OK. Voilà. Alors, ici... Alors, c'est ça qui m'intéresse. Longueur taille d'eau. D'accord. 42,5. Donc là, voilà, on va mettre 42. Et devant, j'ai... Donc, devant 38. 38. Voilà. OK. Attention, vous voyez, c'est au secours. Quand on pose les valeurs, il faut faire attention, d'accord? Parce que en fait, on peut faire des monstruosités. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, là, d'accord, le sommet de la poitrine, la valeur curvilaire, je l'avais mis à 40, longueur ici jusqu'au dos, d'accord? Du coup, là, jusque là, concrètement, d'accord, c'est peut-être ça qui va pas, concrètement. Alors, moi, j'hésite pas, je reviens à zéro quand c'est comme ça, d'accord, histoire de bien remettre tout d'aplomb, parce qu'il ne faut pas hésiter, il faut le faire, d'accord. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez créer un tableau de mesure à la taille d'un barème, comme l'école S-Mode, faites attention à toutes les valeurs que vous pouvez rentrer, parce que vous rentrerez éventuellement sur des choses qui sont assez monstrueuses, et surtout sur les longueurs taille devant et taille dos, surtout si vous voulez faire une taille spécifique, d'accord. Là, par exemple, si je veux respecter ma valeur de tour poitrine sur ma taille 44, d'accord, ça fait 100, d'accord, de tour de poitrine. Le tour, ça marche, d'accord. Pensez toujours à regarder ce que ça donne de profil. Tour de taille aussi, là, ça devrait fonctionner. Le tour de taille devrait effectivement fonctionner. Donc là, je suis sur un 84, donc là, ça marche, d'accord. Voilà, tour de taille, ça fonctionne. Petite hanche, par contre, petite hanche à vérifier, d'accord, mais véritablement 97. Voilà, d'accord, donc regardez de face, 97, ça peut aller, et hanche, ils vous le mettent, grande hanche, à 110. Donc là, on voit, on regarde, ok, ça devrait fonctionner pas mal dans les tours, mais attention, ne pas mettre n'importe quoi dans les longueurs, parce que là, vous rentrez dans la déformation, sommet d'épaule, d'accord, sommet jusqu'à l'épaule, là, ok, la hauteur poitrine, moi je la prends pas comme ça à S-Mode, on la prend à partir de là et on prend en diagonale comme ça. Là, je peux pas voir, mais par expérience, je sais que je tourne aux alentours de 27, pas plus, d'accord. Donc là, si je tape mon 27, s'il veut bien, voilà, d'accord. Là, je suis à peu près viable. Vous voyez, voilà, longueur curviligne, et c'est celle-ci qu'il faut faire hyper attention, c'est de là à là. Il faut que vous preniez pour avoir ça, l'écartement d'encolure, plus la longueur d'épaule pour avoir la longueur globale. Et là, concrètement, c'est dangereux.
D'accord ? Si vous passez à 41, ok, là, c'est encore viable. Vous voyez ? Mais si vous voulez mettre genre 42 de profil, regardez comment ça peut voûter votre carrure, ok ? Donc, faire attention à, hop, visualiser correctement la totalité, longueur taille d'eau. Donc, longueur taille d'eau, c'était la valeur 1. Donc là, c'était, alors, en 42 aussi. Donc, là, on visualise, on regarde, on fait attention. Et là, je voûte. Vous voyez, direct, je voûte. Donc là, concrètement, est-ce que 41, ça ne serait pas mieux? Vous voyez, pour redresser concrètement 40,5. Voilà. Attention, ok, de respecter une morphologie aussi. Parce que concrètement, ça fait la grosse différence. Ok, là, je suis sur mon devant, c'est pareil. Donc sur mon devant, là, il préconise 38,5. D'accord, 38,5. Et là, voyez, hop, et on regarde de profil. Et donc du coup, là, je deviens hyper creuse. Donc, attention, d'accord, à visualiser la morphologie de votre mannequin. Ne mettez pas, parce que c'est dit, ne mettez pas pile poil la valeur. Attention, là, on parle vêtements, là, on parle corps humain. D'accord, là, sur les barèmes papier comme ça, comme le bouquin Les Modes, on parle vêtements, on parle pas corps humain. Donc, quand je fais une mise à mesure de mon corps, je fais attention à garder la morphologie de mon corps de telle manière à avoir une proportion. Et surtout, que après, si j'ai envie de l'enregistrer en tant que taille, ok, je clique là, ok, je vais faire ma taille, pas 42 là, mais par exemple 44, hein, c'était ça, c'était 44 ou 46, je sais plus, c'était 44, voilà, ici, il y a un 4 de trop, ok, voilà, j'enregistre, ok. Maintenant, j'ai plusieurs types de tailles, je vais aller rechercher mon produit que j'ai fait tout à l'heure, d'accord, buste gradation. Je dis OK. Donc, c'est mon buste. Je vais maintenant dans éditeur et je fais révision. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Parce que là, je vais pouvoir visualiser toute ma gradation concrètement avec mon avatar ou sans mon avatar. Alors là, je suis sans l'avatar. D'accord ? Et là, je visualise en fait toute ma planche gradation sans mon avatar. D'accord ? Rien d'exceptionnel, classique, je dirais même presque pas intéressant. Maintenant, si je vais dans mon onglet gradation dans le navigateur d'objets et que là, je vais maintenant sur l'onglet appairer, okay, l'avatar, je vais pouvoir, vous voyez, sur mes petits mannequins là, donner ma grille de taille 36, appairer la forme 3D. Je vais chercher ici dans pas texture, dans avatar, ok, avatar taille. Alors attendez, c'est dans size, autant pour moi, voilà. Custom, voilà, et là, je vais pouvoir aller chercher mon 36 en taille, s'il veut bien me le donner, parce que là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas me le donner, il ne veut pas me donner ma grille de taille, US Custom, là, j'ai toutes mes grilles de taille, y compris le 46, alors, le 44, alors, attendez, pourquoi il ne veut pas me la donner? Appairer, mettre à jour. Voilà, donc
normalement, maintenant, buste grande. Ok, ici, 36, là, je regarde, ajouter une taille de l'avatar, voilà, et là, je peux, hop, mettre ma grille de taille, d'accord, 36, là, je vais sur mon 38, ici, ok, je clique sur mon 38, vous voyez, hop, ajouter une taille de l'avatar, je vais chercher ma taille 38. Donc là, je vais chercher vraiment les valeurs de taille de mon mannequin qui vont aller concrètement. 40, je sélectionne, hop, ajouter une taille de l'avatar, et là, je fais 40. Voilà, d'accord? Et là, hop, je clique sur mon 42, hop, je fais mon 42 de taille, ok. Voilà, 44, je vais m'arrêter là, hein, concrètement, parce que en fait, voilà, 44, voilà. Maintenant, je repars sur mon 36, ajouter la forme 3D. Donc la forme 3D, logiquement là, ok. Donc custom, alors logiquement là, je devrais aller chercher mon avatar et je ne peux pas aller le chercher. Alors pour quelle raison? Donc, appeler la forme 3D, ajouter la taille. Ok. Ajouter la taille, là je peux parce que je suis dans custom. Donc il n'y a pas de problème. Il me le prend. Bon, on va visualiser. Je refais une simulation pour que ça se mette bien correctement. Voilà, ok. Maintenant, éditeur, révision. Bon, ça prend toujours un petit peu de temps, histoire qu'il aille chercher les tailles, etc., etc. Et voilà, d'accord? Vous voyez que là, bon, normalement, hein, ça devrait fonctionner. Je devrais avoir toutes mes tailles sur mes bases, à part mon 46, dont l'avatar n'est pas correctement positionné, d'accord? Puisque je n'ai pas mis sur ma taille 46, parce que je n'avais pas, voilà, ma base 38, ma base 40, ma base 42 qui est mal foutue. Je ne vous parle pas du 44. Et le 46, ça va être encore pire. Vous voyez, parce qu'il reste sur un avatar de taille 38, forcément. D'accord, puisque j'ai pas mis ma grille de taille 46. Donc là, ça va pas. Les trois premières tailles, ça fonctionne, mais alors les deux autres, c'est une catastrophe. Donc je vais aller de ce pas faire un petit mail à Clo pour leur montrer que leur appairage d'avatar en fonction des tailles ne fonctionne plus comme ça fonctionnait avant. Parce que c'était génial de le faire, d'accord? Et là, je pouvais vérifier toutes mes tailles en fonction de mes barèmes successifs d'avatar et de planche de gradation, voyez? Voilà, et donc là, je pouvais tourner mon avatar pour visualiser aussi les dos, etc., etc. Et là, je suis mais hyper à chaque fois déçu de voir que dans ma gradation, quand je dis que là, c'est ma taille 42, par exemple. D'accord? Voilà. Là, vous voyez, j'ai un avatar de taille 42, mais j'ai un vêtement qui n'est plus du tout appairé correctement. Donc là, je vais essayer de le remettre. Hop. Procéder. Voilà. Un rangement automatique. C'est OK. C'est bon. Je relance. Et voilà. Donc là, j'ai ma taille 42 qui est revenue normale. Je passe maintenant à mon 44. Voilà, pareil. Donc là, hop, procéder. Ok. Je simule.
et voilà. D'accord ? Là, c'est bien. Là, c'est nickel. Maintenant, on va revenir sur Grading Review. On va régénérer la totalité. On va voir si ça a fonctionné. Mon 46, comme je n'ai pas d'avatar de taille 46, forcément, je vais encore avoir un truc bizarroïde. Donc là, je vais me remettre en vue de face. Et voilà, donc le 46 normal, je n'ai pas appairé le bon avatar avec. Mais en tout cas, le 42 et le 44 que j'ai remis en place, ça a fonctionné. Et donc là, c'est nickel, je peux visualiser toute ma grille de gradation. Et bien sûr, je vous recommande de le faire, à condition bien sûr que vous ne soyez pas feignante comme moi, que vous ayez fait un avatar taille 46 pour vérifier toute votre planche de gradation. Voilà qui va clore notre cours sur en fait comment faire une grille de taille d'enclos, puis une gradation, puis un appairage. Je vous remercie de m'avoir regardé en espérant que cela vous ait plu. À la prochaine fois. Au revoir tout le monde.